Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'album Mathilde 1066. Alors, à quoi ça fait référence Mathilde 1066? Eh bien, ça fait référence à la reine Mathilde, qui était l'épouse de Guillaume le Conquérant. Donc, c'est un album, en fin de compte, qui a donc pour thème Guillaume le Conquérant, la reine Mathilde et la tapisserie de Bayeux. Donc, il est sorti en 2013, cet album-là, et traite plus généralement de la conquête de l'Angleterre et de la tapisserie de Bayeux. Pourquoi cet album? Eh bien, parce que pendant quelques années, pendant 2 ans, ma femme et moi avons habité à Falaise, dans le Calvados, où je travaillais aussi. Et donc bien sûr, tout le monde connaît le château de Falaise, qui est l'un des châteaux de Guillaume le Conquérant, avec le château de Caen, que je connais très bien aussi, ayant grandi près de Caen. Et inspiré aussi de la tapisserie de Bayeux, étant né à Bayeux, moi aussi. Donc voilà, je suis de la Normandie, donc forcément, tôt ou tard, je me devais en fin de compte un peu de faire un album par rapport à ça. Et donc, au lieu de l'appeler cet album-là, Guillaume le Conquérant ou la Tapisserie, je me suis dit, tiens, on va prendre le nom de sa femme. Et donc, je l'ai appelé Mathilde, depuis 1066, en référence à la grande bataille d'Hastings, qui a fait que Guillaume le Conquérant a pris le trône de l'Angleterre. Donc voilà un petit peu d'histoire dans cet album, toujours une ambiance un peu médiévale. Et je vous invite à le découvrir bien sûr, et à le télécharger ou à commander les CD. Donc bonne découverte, et puis à très bientôt pour le dernier album officiellement sorti, qui s'appelle Opus, et donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour qu'on en parle. Merci.